Bien, je vais vous demander de tous et toutes bien vouloir vous reprendre place. Bienvenue à toutes et à tous, pour ceux qui nous retrouvent cet après-midi et qui se joignent à ceux qui étaient là ce matin, pour cette journée consacrée sous forme de trois grandes conférences autour de la destruction des Juifs d'Europe. Nous reprenons les échanges cet après-midi avec une première rencontre autour des témoignages sous la présidence d'Anastasio Karababas. Vous êtes enseignant à l'Alliance israélite universelle, historien et auteur. Voilà, on va commencer tout de suite. Rena Molro est donc en visioconférence. Elle va être avec nous dans un instant. Anastasio, c'est à vous. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là parce que j'ai longtemps travaillé ici, dans les archives, en accueillant les élèves, les étudiants, les universités. Et donc, c'est une deuxième maison, le mémorial de la Shoah. Je ne sais pas si le PowerPoint est visible. C'est bon ? Parce qu'il faut que j'ai accès aux slides. Ça fait 10 ans maintenant, j'ai commencé très tôt à m'intéresser bien sûr à la destruction des Juifs d'Europe. J'ai publié un livre en français là-dessus. Et puis après, très vite, avec mes origines, j'ai voulu m'attarder un peu sur un sujet qui est pour l'instant, mais ça va changer, méconnu en tout cas en Europe, sur la destruction des Juifs de Grèce. Et donc plusieurs livres sont apparus et sont en train d'apparaître dans plusieurs langues parce que c'est important que cette histoire soit... su et surtout transmise aux nouvelles générations. Parce que si on est tous là aujourd'hui, je pense, c'est pour transmettre aux plus jeunes. Sinon, ça ne sert à rien. Si les plus jeunes générations ne savent pas, si nos élèves, si mes élèves, si nos enfants ne savent pas, ça ne sert plus à rien. Alors, les Juifs de Grèce, c'est la plus vieille communauté juive d'Europe. C'est-à-dire que vous avez des Juifs qui s'installent en Grèce au moins depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. La plus vieille synagogue d'Europe, c'est à Délos, 2e siècle avant Jésus-Christ. On ne le sait pas, ça aussi. Rarement, on le sait en France, en tout cas, que c'est une vieille communauté. Le judaïsme grec, c'est un judaïsme qui est, avant la Shoah, pluriel, dynamique. Vous avez des juifs romagnotes. On n'entend pas beaucoup parler des romagnotes, en tout cas en France. Les juifs romagnotes, vous savez, ce sont des juifs hellènes et hellénisés, qui sont là depuis la période hellénistique. Pour les plus âgés, Georges Moustaki était romagnote, par exemple. Vous avez les Ashkénazes qui arrivent dans l'Empire byzantin entre le 11e et le 14e siècle après Jésus-Christ, parce qu'ils fuient. Ils fuient les pogroms et ils fuient le tracé, vous savez, des croisés. Vous avez les Séfarades, la grande arrivée des Séfarades. Après 1492 et l'expulsion d'Espagne du décret d'Alhambra, de très nombreux séfarades vont s'installer à l'époque dans ce qu'on appelle l'Empire ottoman. La Grèce est dominée par les Ottomans. Et puis, ce n'est pas fini. Vous avez les Italiens, parce que les Italiens, dans le sud d'Italie, vous savez, ils fuient l'occupation espagnole. Ils fuient les états du pape. Je rappelle que le pape va expulser les Juifs en 1569. Et donc, ce dynamisme, cette pluralité de communautés vont se développer en Grèce. On parle souvent de Thessalonique. Thessalonique qui est au départ la madre d'Israël.
et qui deviendra la Jérusalem des Balkans. Jusqu'à la veille de la Shoah, un tiers de la population est juive. En 1920, il y a une loi en Grèce qui reconnaît 31 communautés officiellement. 31 communautés en Grèce, toutes les grandes villes ont une communauté juive. Et puis si on compte les petites communautés dans les petites villes et villages, on dépasse les 40 micro et communautés à travers la Grèce, dans les îles, dans les villes, dans les villages. Évidemment, la Shoah va venir balayer cette histoire. Vous avez entre 62 et 65 000 juifs qui seront déportés. Vous savez que contrairement à la France, en France, on sait aujourd'hui quel est le chiffre des juifs déportés. En Grèce, on ne connaît pas le chiffre exact pour l'instant. Ce sont des estimations. On a encore du boulot, ce n'est pas fini. Et donc, on a jusqu'à 65 000 personnes déportées et ou mortes durant la Shoah. Pourquoi je dis et ou ? Parce que autour de 62 000 sont déportées, 2 500 personnes sont mortes avant la déportation. On est presque à 90% de la communauté qui va disparaître. Parmi les chiffres les plus importants d'Europe, parmi les pourcentages les plus élevés, ça c'est la destruction des Juifs de Grèce. On l'a vu ce matin avec les différents intervenants, la Grèce est occupée par trois puissances. Elle est enfermée, elle est étouffée par trois puissances. C'est une occupation qui est extrêmement violente. Cette carte que vous avez ici en Grèce, elle va paraître dans mon prochain livre en français également et en anglais au mois d'octobre, montre grosso modo ces trois zones, avec la zone bulgare, on en a parlé ce matin, en vert, la zone allemande en rose clair, et puis la zone italienne en rose foncé. Les Bulgares et les nazis ensemble vont déporter dès le mois de mars 1943 de très nombreux juifs du nord de la Grèce. On l'a vu par exemple avec l'exemple de Thessalonique, on a parlé de Kavala ce matin. Les Italiens ne déporteront pas les juifs, mais à partir de septembre 1943, les nazis vont récupérer la zone italienne et vont déporter l'ensemble des juifs. Et regardez comment, dans cette carte, cette déportation est organisée. Vous avez en bleu les bateaux. Dans la moindre île, on ira les chercher. Vous avez en rouge les camions. Vous avez bien sûr en noir les rails. Les juifs de Thessalonique partiront à Auschwitz. Les juifs de la zone bulgare partiront à Treblinka. Personne ne reviendra. Plus de 4000 juifs de la zone bulgare, personne ne reviendra. À Treblinka, vous savez, on envoie tout de suite les gens dans les chambres à gaz. Et puis, à Thessalonique, notamment, il y a des juifs espagnols qui ont la nationalité espagnole. Comme Hitler avait des liens avec Franco, les juifs espagnols sont envoyés à Bergen-Belsen. Je fais cette introduction parce que c'est important, quand nous allons parler des témoignages, c'est important de comprendre ce que vivent ces juifs parce que les destins sont complètement différents. On ne parle pas d'une déportation de juifs de Grèce, mais des déportations des juifs de Grèce. Et puis, il y a le retour. Ces juifs reviennent. Alors, quels sont les chiffres ? Encore une fois, les chiffres sont des estimations. Autour de 2000 juifs vont revenir des camps. 8000 juifs vont sortir de leur cachette. Il y a 8000 juifs qui sont cachés à travers la Grèce. Ce matin, on a parlé de l'exemple de Volos, qui est à côté du mont Pilion. Pilion en Grèce, c'est une montagne où il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de résistants et beaucoup de gens qui se sont cachés. Et puis donc, ces 10 000 juifs vont essayer de se reconstruire. Mais est-ce que c'est possible ? La réponse est non. Oui, je ne développe pas. Oui, je fais une introduction, merci. Et donc, les témoins... Tout à fait.
Je continue. Et donc, les témoins reviennent, les gens reviennent, et puis ils sont obligés de se taire parce que la société n'est pas prête à les écouter. Alors moi, grâce à mes recherches, j'y viens, j'ai eu la chance pendant 10 ans de rencontrer des témoins. Et donc, parmi ces témoins, j'aimerais, avant de laisser la parole à mes collègues, vous citer 3 différents destins. Ces 3 différents destins sont marquants. Par exemple, Samuel Mondiano de Rhodes, vous savez, les Juifs de Rhodes sont les Juifs qui sont déportés au mois de juillet 1944. C'est le trajet le plus long d'Europe. Ils partent, ils sont arrêtés le 18 et 19 juillet 1944 et ils arrivent le 16 août à Auschwitz. Donc ça veut dire 1 mois. Et donc ces Juifs sont déportés. On ne sait pas qui est arrivé vivant parce qu'il y a 1 mois de déportation, vous comprenez que c'est difficile. Ces Juifs vont revenir, comme Samuel Mondiano. Il va revenir en Italie avec Primo Levi et puis personne ne va les écouter. Rescapé d'Auschwitz, Samuel Mondiano commence à parler à partir de 2005. Il va se taire pendant 60 ans parce qu'on pense qu'il est fou dans ce qu'il raconte. Rina Reva, Thessalonique, on en a parlé un petit peu ce matin. Rina Reva, enfant déporté à Bergen-Belsen. Elle est de nationalité espagnole. Ce qu'elle raconte, c'est en tant qu'enfant, elle a quelques vagues souvenirs, surtout le fait que elle a eu le typhus et à 5 ans, elle se souvient encore de son crâne rasé et de son retour où, évidemment, la société ne veut pas les écouter. Et elle dit, par exemple, que même après la guerre, dans les écoles, on leur dit que ces Juifs qui sont revenus, je cite Rina Reva, « Pourquoi vous n'êtes pas devenus des savons ?» C'est ce qu'on leur dit à l'école. Et enfin, pour finir, Mimika, enfant caché, adolescente cachée à Athènes cette fois-ci, elle est arrêtée à Cérès. À Cérès, elle les reste jusqu'en 1940. Et pour ne pas être arrêtée par les Bulgares, elle descend à Athènes. Mais à Athènes, évidemment, les nazis arrivent très vite. Et donc, elle doit se cacher. Elle change 14 fois d'appartement. Elle est obligée de travailler parmi les personnes qui les cachent. Et d'ailleurs, ceux qui se cachent, vous savez, ne sont pas cachés toujours par des justes. Ils sont cachés aussi par des gens qui les exploitent. Elle est à Kifissia, dans le nord d'Athènes, elle est exploitée. Et donc, elle est obligée de s'enfuir. Et donc, finalement, elle va réussir à se faire cacher par un prêtre et par une dame qui risque sa vie tous les jours, Mathilda Weitzerhoven, une dame qui tous les jours la cache dans sa cave et dans le centre d'Athènes, on savait que c'était très compliqué. Bref, tout ça pour vous dire que les témoignages, c'est le sujet de cette table ronde, sont diverses, sont difficiles. Et ce qui est important pour moi, c'est justement de montrer qu'aujourd'hui, nous devons récupérer ces témoignages et les transmettre au plus grand nombre. C'est pour cette raison que aujourd'hui, autour de moi, j'ai des femmes qui ont fait des recherches tout à fait passionnantes sur le sujet. Et on va commencer avec Eleni Bezet. Alors, Eleni est aujourd'hui post-doctorante au département d'histoire, d'archéologie et d'anthropologie à l'Université de Thessalie. Elle mène des recherches sur l'expérience de la Shoah dans la formation d'une identité juive féminine. Elle a reçu une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour cette recherche. Son doctorat porte sur les questions de mémoire et d'identité juive de Grèce au lendemain de la Shoah. Elle est titulaire d'une philosophie à l'Université de Crète et d'une licence de philosophie et de sciences sociales. Et elle a travaillé dans l'enseignement secondaire et puis depuis 2010, elle collabore avec le Musée juif de Grèce. Je rappelle que le Musée juif de Grèce à Athènes est un musée qui accueille énormément également de scolaires. Et c'est très important de dire aujourd'hui que beaucoup de scolaires visitent ces musées et que beaucoup de scolaires apprennent l'histoire de la Shoah. C'est très récent en Grèce, le fait d'apprendre l'histoire de la Shoah. Moi-même, j'ai été à l'école en Grèce et on ne nous a jamais parlé de la Shoah.
Et donc ça, c'est tout nouveau. Et donc c'est important que les musées s'impliquent aujourd'hui, et notamment le musée de Thessalonique. Et puis Eleni Bezet va nous parler aujourd'hui des premières voix féminines. J'ai parlé aujourd'hui dans mon introduction très rapide de ces femmes qui parlent de la Shoah. Et donc Eleni va nous parler de ces voix féminines de la Shoah. Et ce sont des témoignages qui sont publiés en Grèce, mais également à l'étranger. Eleni, c'est à vous. Merci bien. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je vous prie d'excuser le fait que je vais parler en anglais. Alors, first, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to be part of this very interesting conference. Merci et de m'avoir donné l'occasion de participer à cette conférence très intéressante. Cela n'aurait jamais été possible sans la précieuse contribution de Dimitrios Varvaritis. C'est Dimitrios qui a attiré mon attention sur la plupart des textes discutés dans cette présentation. En 2012, j'ai entrepris une recherche doctorale sur les Juifs de Grèce sous la direction du professeur Rika Beneviste. Cette recherche s'est concentrée notamment sur le processus de reconstruction et les initiatives collectives et personnelles, en particulier les écrits des survivants au cours de la première décennie après la Seconde Guerre mondiale, un sujet alors négligé par l'historiographie grecque sur la Shoah. Pendant la décennie qu'il m'a fallu pour mettre un terme à ce travail, mon directeur a souligné à plusieurs reprises que j'étais trop lente. La bibliographie internationale sur le sujet et la période spécifique a continué à fleurir. Les recherches récentes menées par des universitaires grecs comme celle de Rika et Dimitrios vont dans le sens des résultats de mes recherches. La première décennie de l'après-guerre n'a pas été une décennie de silence complet. L'idée largement répandue selon laquelle les survivants juifs grecs ont fait leur coming out dans les années 80 doit être, dans une certaine mesure, remise en question. Aujourd'hui, je vais partager une partie de ma recherche postdoctorale sur un sujet que j'ai moi-même négligé pendant mon travail de doctorat, les écrits des femmes juives sur l'Holocauste dans l'immédiat de l'après-guerre. Cette étude, qui se situe au carrefour des études sur l'Holocauste et sur le genre, s'appuie a pour objectif de combler une lacune dans l'historiographie relative. Beri Kasutonarmias, originaire de Kastoria en Macédoine, était une figure de proue de la mémoire de la commémoration de la Shoah en Grèce. Elle est également l'auteur d'un livre autobiographique sur son expérience d'Auschwitz publié à la fin des années 80 et intitulé « Cry for Tomorrow ». Il s'agissait du premier livre écrit par une femme ayant survécu à l'Holocauste et publié en Grèce. Et comme elle l'a expliqué à ses lecteurs, elle ne s'était ouverte de son expérience des camps qu'une seule fois à son défunt mari avant de retourner au silence. Ce que l'on sait moins, c'est que Narmias avait écrit un court texte sur Auschwitz et sa mémoire plusieurs décennies auparavant. Ce texte a été publié en janvier 1946 dans le seul journal juif de gauche d'après-guerre de Salonique, Israelitikon Vema, qui veut dire la tribune juive.
Cette publication s'inscrit dans le droit fil de l'approche favorable du journal à l'égard des témoignages de première main, tels que Solomon Ben Adon et Isaac Matarazzo, vivant dans le commando Mexico à Birkenau. Cette approche correspondait à la forte volonté des intellectuels juifs soviétiques tels que Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg de documenter la Shoah. En effet, le journal israélite Konvima a d'ailleurs publié une série de textes d'Ehrenburg. Le texte de Narmiya a été écrit à l'occasion du premier anniversaire de l'évacuation et non la libération d'Auschwitz. Elle s'est interrogée sur la nécessité d'introduire une mémoire des scènes de crime, topi en grec. Narmiya utilise dans son texte un vocabulaire déjà utilisé par la presse grecque de l'époque pour décrire l'expérience des camps. Enfer et atrocité nazie sont quelques-uns des mots et expressions utilisés. Elle a également utilisé le mot martyra, non pas dans le sens de martyr, mais dans son sens second, en grec, celui de témoin, contribuant ainsi à établir un premier vocabulaire grec sur la Shoah. Enfin, elle utilise le mot « homéros », otage, pour désigner ce qu'elle et ses camarades des camps étaient. Ils étaient homéri, comme indistinctement tous les anciens déportés. « Homéri hostages », otage, sera le mot des décennies à venir pour ceux que l'on appellera encore récemment « episandes », survivants. Buena Sarfati Garfinkel, née à Salonique, Sarfati, est une autre femme juive grecque qui a écrit dans l'immédiat après-guerre. Ses diverses contributions, comme ses poèmes judéo-espagnols connus sous le nom de Coplas, n'ont été révélées que récemment, grâce notamment au travail de l'historienne René Levin-Melamed. Garfinkel a écrit sur le judaïsme grec et plus particulièrement sur ses propres initiatives qui ont permis de sauver plusieurs enfants juifs des nazis. Je suis désolée, dit l'orateur. Il y a un problème avec mon texte. Garfinkel's contribution is entitled Tale of a Ghetto. Sa contribution s'intitule Histoire d'un conspirateur de ghetto et a été publiée dans le Pioneer Woman en 1947. Ce journal était un organe officiel de la Woman Labor Zionist Organization of America. La note de l'éditeur définit le contexte dans lequel le texte autobiographique de Garfinkel doit être compris. Elle souligne que le sort des enfants juifs d'Europe est doublement précieux depuis l'extermination de millions de personnes de notre peuple. C'est une idée qui a prévalu parmi les survivants juifs d'Europe ainsi que chez les juifs de Palestine et d'Amérique après la fin de la guerre. Comme l'obtention d'une fausse identité, évidemment chrétienne, avait sauvé la plupart de ses enfants, les organisations juives travaillaient maintenant à leur retour à la judéité, comme l'a dit le rédacteur en chef de The Pioneer Woman. Mais comment Garfinkel a-t-elle été impliquée dans le sauvetage des enfants juifs? Buena, qui a été élevée dans une famille séfarade aisée de Salonique, est sioniste depuis sa jeunesse. En tant que présidente de l'organisation sioniste internationale féminine locale, elle avait tenté, avec les filles de son groupe et un groupe de filles chrétiennes, de s'enfuir de Salonique lorsque les Allemands l'avaient envahie, mais en vain. Elle faisait partie des filles qui ont été capturées et emprisonnées. Depuis la prison, elles ont envisagé les moyens de contribuer à la bataille de libération de leur pays.
Après leur libération, l'une de leurs tâches consistait à aider les prisonniers de guerre britanniques à fuir la ville. Avant d'être capturés, ils étaient chargés de distribuer de la nourriture aux enfants juifs. Lorsque les mesures racistes ont été imposées à Salonique et alors que la plupart des membres de la communauté refusaient de prévoir le danger, le groupe de Garfinkel a compris que la déportation allait suivre. Ils ont donc décidé de sauver autant d'enfants que possible. Trois de leurs membres rendent visite au grand rabbin Tzvi Koretz, qui, comme le note Garfinkel, sera ensuite diffamé comme traître des Juifs de Salonique. La commission suggère que les nouveaux-nés soient hébergés dans des monastères. Koretz, selon l'auteur, refusa de coopérer et alla jusqu'à dénoncer les filles à la police juive. Garfinkel et ses camarades féminines ont poursuivi l'exécution de leur plan. Elles approchent les parents de nouveaux-nés et les incitent à leur remettre les bébés. Garfinkel prend le risque de faire sortir clandestinement les nouveaux-nés du ghetto et de les confier à des sœurs et à des infirmières. Au total, elle a réussi à sauver 28 enfants. Après avoir réussi à fuir la ville, elle a rejoint les forces de la résistance grecque. Elle a d'abord suivi les droitistes, puis après l'assassinat de son agent de liaison, elle s'est ralliée aux gauchistes. Son activité en tant que membre de la résistance est restée jusqu'à récemment totalement inconnue. Il y a une autre dimension de l'activité de Garfinkel que son premier témoignage met en lumière. Après la fin de la guerre, l'auteur a réussi à localiser plusieurs enfants juifs qui avaient survécu dans la clandestinité et à les transférer, parfois contre la volonté de leur environnement grec orthodoxe qui les avait protégés pendant la guerre. Et ils se sont enfuis en Palestine. Paradoxalement, Garfinkel, bien que fidèle à son idée et sioniste, ne supporte pas la vie dans le kibbutz. Finalement, le Canada est devenu pour elle une patrie et un lieu où elle pouvait s'exprimer librement par écrit. La publication de ses mémoires contribuera à compléter l'aperçu de sa vie et de son œuvre. Rachel Ray Delvin était une juive américaine originaire de Preveza et de Ioannina, Épire, Grèce. Delvin a enseigné l'anglais et la littérature grecque moderne à l'Université de New York et a traduit en anglais des poètes grecs tels que Constantinos Karafayis et le communiste Yanis Ritsos, avec qui elle s'était liée d'amitié. Elle a également traduit des poétesses grecques, dont certaines avaient été victimes de discrimination de la part de la société grecque patriarcale des premières décennies du XXe siècle. Delvin était également une dramaturge engagée. Son œuvre relative est actuellement publiée en Grèce dans une série de Romagnotti, les Juifs de langue grecque de l'Empire ottoman. Delvin est surtout connue pour le livre qu'elle a publié en 1998 sur les Juifs de sa ville natale, Ioannina, où elle avait auparavant mené des entretiens avec plusieurs survivants romagnotes. Cet ouvrage, le premier sur les Juifs romagnotes, est toujours considéré comme un livre de référence et autant un travail de mémoire que d'érudition. Ce que l'on ignore encore, c'est que Delvin a remis en question dans un texte intitulé « Les Juifs grecs sous la doctrine de Truman », écrit en 1948 et publié à New York, l'idée répandue selon laquelle l'antisémitisme était absent de la Grèce au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il convient de noter que l'article est paru dans Jewish Life, une revue publié par l'association yiddish de gauche Morgen Freiheit. L'association publiait également le célèbre journal du même nom. Le journal était initialement affilié au Parti communiste américain, mais après la fin de la guerre, il a perdu le soutien du parti, notamment en raison de ses opinions pro-israéliennes.
Ainsi, une fois encore, comme dans le cas de Garfinkel, c'est la gauche américaine pro-israélienne qui a donné la parole aux auteurs juives dans les premières années de l'après-guerre. Je soutiens que c'est précisément l'absence de ce courant idéologique en Grèce, dû à l'Holocauste, au cours de laquelle d'éminents juifs de gauche ont péri, et à la guerre civile qui a suivi, qui explique l'absence de textes parallèles publiés en Grèce. Dalven, qui n'a jamais caché sa sympathie pour la résistance grecque, affirme dans son texte que bien qu'elle n'ait pas rencontré d'antisémitisme dans ses relations personnelles lors de ses voyages en Grèce, elle a été informée par ses connaissances grecques que d'anciens collaborateurs nazis et antisémites étaient non seulement en liberté, mais qu'ils occupaient également des postes élevés dans la vie politique grecque. Je pense que ce qui donne au texte de Dalven une partie de sa valeur historique particulière, c'est le fait qu'il ait été écrit pendant la guerre civile grecque, de 1946 à 1949, une période au cours de laquelle une censure sévère a été imposée à tout discours susceptible de remettre en question les choix politiques de l'État grec. Dalven est allée encore plus loin. Elle condamne sa propre Amérique, comme elle l'écrit, et plus particulièrement le programme d'aide lancé par le président Truman, qu'elle tient pour responsable du soutien des forces pro-fascistes et antisémites, comme elle l'écrit. Dalven poursuit avec des remarques intéressantes concernant les conflits politiques au sein de la communauté juive grecque elle-même. En 1948, année où elle écrit le texte en question, sa voix était apparemment la seule voix juive grecque qui remettait en question le statu quo au sein de la communauté. Les voix démocratiques et progressistes juives avait été réduite au silence en 1947 lorsque le seul journal juif grec de gauche de l'après-guerre, Israeliti Kon Weimar, avait cessé de paraître. La seule voix juive publique est alors celle du journal sioniste conservateur Evreki Estia, qui signifie « foyer juif », qui soutient ouvertement les choix du Conseil central des communautés juives et de son président, Asher Moïsis. Dalven souligne le fait que Moïsis a empêché le rabbin d'Athènes, Elias Barzilai, de jouer un rôle de premier plan dans la réorganisation de la communauté au lendemain de la guerre. Pendant l'occupation, Barzilai avait été volontairement kidnappé par la résistance de gauche et Ham pour empêcher les nazis d'obtenir des listes de juifs. Après la libération, Barzilai a reconnu publiquement les efforts de l'EAM pour sauver des vies juives. Dalven a souligné le fait incontestable qu'en lieu et place du rabbin, c'est la figure de Moïsis avec ses tendances conservatrices qui a prévalu dans les années qui ont suivi la guerre. La voix courageuse et audacieuse de Dalven n'avait pas d'équivalent parmi les Juifs dans les années de la guerre civile grecque. Apparemment, l'éloignement du pays d'origine et de l'Europe en tant que lieu où l'Holocauste avait lieu, ainsi que le fait de vivre dans des communautés juives florissantes, ont permis à ces femmes de réfléchir aux questions gréco-juives et de s'exprimer librement à leur sujet à une période où régnait en Grèce un silence relatif. Les extraits du manuscrit de la juive athénienne Laura Melamed, publié en français dans les cahiers de l'Alliance israélite en 1956 sous le titre « La Grèce au combat et sous l'occupation »,
nous donne un aperçu d'un environnement social et idéologique complètement différent. Apparemment, Mélamed n'était pas une femme juive grecque typique de l'entre-deux-guerres. Comme nous l'apprend la note de l'auditeur, elle a fréquenté dans sa jeunesse les milieux intellectuels grecs, a terminé ses études à Paris et est l'auteur d'un roman intitulé « J'ai cherché un homme » publié à Paris en 1936. Le directeur du prestigieux musée d'archéologie nationale de l'époque, l'archéologue et écrivain Alexandros Philadelphos, ami de sa famille, avait préfacé le roman de Mélamed. L'éditeur des Cahiers de l'Alliance a replacé son manuscrit dans le contexte culturel de l'après-guerre. C'est Marie Bonaparte, célèbre psychanalyste française, écrivain et épouse du prince Georges de Grèce, qui a confié le manuscrit à la revue. Et c'est encore Bonaparte qui a préfacé le texte de Mélamed. Selon elle, Mélamed loue l'héroïsme du peuple grec au combat et ses souffrances sous l'occupation allemande. Comme l'écrit Bonaparte, l'auteur fait revivre en particulier le martyr des Juifs de Grèce, dont le cœur, poursuit-elle, est fermement attaché à la patrie grecque. La psychoanalyste utilise précisément un vocabulaire et un cadre conceptuel similaires à ceux utilisés par la presse conservatrice grecque et les cercles grecs juifs dès les premiers mois de l'après-guerre. Les Juifs sont notamment présentés comme des victimes, des martyrs, tandis que leur loyauté envers l'État grec n'est pas acquise et doit donc être rappelée. Mélamed, en décrivant la guerre gréco-italienne 1940-41, qui a précédé l'invasion allemande, a loué les exploits de l'armée grecque. Dans les grandes lignes, elle a suivi un récit largement accepté des événements qui reste jusqu'à aujourd'hui la version officielle de l'État grec, sauf que dans la version de Mélamed, ce n'est pas le dictateur Metaxas qui a refusé de se rendre aux Italiens, mais le roi Georges. Et c'est encore la fuite du roi d'Athènes qui a plongé le peuple grec dans le désespoir. Mélamed, comme l'éminent sioniste et conservateur Aïcher Moïsis et d'autres juifs athéniens ou cachés à Athènes, l'ont fait dans les jours qui ont suivi la libération de la ville, a loué à son tour les efforts condamnés à l'échec du clergé athénien, des politiciens et des avocats pour annuler les déportations des Juifs de Salonique. Elle a également donné un compte-rendu détaillé des conditions de vie à Athènes pendant l'hiver 1943, lorsque la population de la ville a souffert du froid extrême et de la famine. Mélamed a continué à décrire en détail, dans un langage très subtil et très chargé, les énormes difficultés auxquelles elle et sa famille ont été confrontées pendant l'occupation allemande d'Athènes, alors qu'elle et ses deux frères ont réussi à se cacher sous de fausses identités grâce au soutien de leur entourage chrétien athénien de la classe supérieure. Leurs parents n'ont pas survécu. Mélamed, rempli de culpabilité, a partagé ses réflexions sur l'antisémitisme et sa longue histoire à laquelle elle attribue le martyr, comme elle l'a écrit. Martyr de sa famille et de son peuple. Pour cette femme juive élevée à Athènes, dans un environnement intellectuel et social où elle n'a évidemment pas rencontré l'antisémitisme, Hitler est le seul à blâmer.
Si l'Allemagne avait été gouvernée par le Kaiser et par une élite, comme elle l'écrit de manière caractéristique, l'antisémitisme, affirme-t-elle, n'aurait jamais prévalu. Et si elle évoque les traîtres qui rôdent un peu partout à Athènes et la réticence des diplomates turcs à protéger sa famille, qui était d'origine turque, elle ne voit pas dans ses actions l'expression, sinon de la haine, du moins de l'apathie. Sa vision de l'Holocauste en Grèce, 12 ans après la libération, fait écho au récit adopté par les organes officiels de la communauté juive grecque basée à Athènes. Les Grecs, et en particulier le clergé, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les Juifs qui ont toujours été loyaux envers leur patrie. Le rôle de la résistance est reconnu, mais encore relativement minimisé. Le récit de Mélamed diffère évidemment beaucoup de celui de Dalven. Alors que Dalven voit des traces d'antisémitisme même dans la Grèce d'après-guerre et se montre critique à l'égard des dirigeants de la communauté juive grecque, Mélamed ne remet pas en question le statu quo de sa patrie, que ce soit pendant l'occupation ou après la guerre. Je soutiens que leur position idéologique respective, Dalven appartenait à la gauche américaine, tandis que Mélamed était conservatrice et vraisemblablement royaliste, et leur proximité avec leur pays d'origine. Mélamed a vécu l'Holocauste et la période d'après-guerre en Grèce, tandis que Dalven était une immigrée aux États-Unis depuis son enfance, peuvent expliquer la différence de perspective qu'elles adoptent dans leur récit. En bref, les voix des femmes juives grecques sur l'Holocauste ont trouvé leur chemin vers le public, quelle que soit la retenue dont elles aient fait preuve dans l'immédiat d'après-guerre. Et malgré le fait que les voix féminines étaient moins nombreuses que celles des hommes pendant la même période, je crois qu'elles ont contribué de manière presque égale, ou elles ont essayé, à la lutte contre l'antisémitisme, à la formation d'une mémoire de l'Holocauste ainsi qu'à sa documentation. Néanmoins, les Juifs grecs, et non seulement la contribution des femmes pour sensibiliser à l'Holocauste, et plus particulièrement la question juive, reste un domaine largement inexploré. Merci de votre attention. Merci Eleni. Ce qui est intéressant dans ce qui est dit ici par Eleni, c'est plusieurs choses. Par exemple, l'importance de l'Alliance israélite universelle. L'Alliance israélite universelle est un réseau francophone qui est créé en 1860, et ce réseau-là, il a beaucoup d'archives jusqu'à aujourd'hui qui très souvent sont inexplorées, des archives sur ces femmes qui ont été déportées, des archives sur les conditions de vie des enfants dans les écoles avant la Shoah, les conditions de la communauté après la Shoah. L'Alliance israélite universelle est un réseau international qui est très intéressant sur différents archives, et tout le monde peut les consulter, et même sur Internet également, c'est possible. Et donc c'est intéressant, merci Eleni pour ça. Ce qui est intéressant également sur ces femmes, c'est que très souvent, comme elles vont à Auschwitz, les Grecs sont parmi les seuls à ne pas parler yiddish, et donc elles restent entre elles, et il y a une création d'une sorte de solidarité de ces femmes, et quand elles vont revenir en Grèce, elles vont continuer à être ensemble, créer des associations, et encore une fois, comme l'a dit Eleni, c'est que après la guerre, il y a la guerre civile en Grèce, et donc tous ces gens-là, à part entre eux, ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont vécu. Et donc, il y a cette espèce de silence qui va s'imposer dans le pays et qui va progressivement se détruire à partir des années 90, voire 2000. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on fait ce réveil mémoriel en Grèce. Et on le voit à travers le témoignage notamment de ces femmes. Et puis, à part les femmes, et ce qui me permet de voir la prochaine intervention, il y a les enfants. Il y a les enfants, les témoignages des enfants. Très souvent, par exemple, après la guerre, il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins en Grèce parce qu'ils ont été cachés, mais les parents ne pouvaient pas les cacher parce qu'on prenait trop de risques. Et donc, il y a les témoignages de ces enfants qui sont intéressants à voir. Et Pothiti Khadzaroula va nous présenter justement la voix de ces enfants.
Alors avant de lui donner la parole, Posity est une professeure adjointe d'anthropologie historique au département d'anthropologie à l'Université de la mer Égée à Mytilène. Ses domaines de recherche comprennent l'histoire orale, l'histoire et l'historiographie du genre et de la sexualité, de la mémoire, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire des émotions. Ces deux livres qui ont été publiés sont les suivants, un en anglais, Child Survivors of Holocaust in Greece, Memory, Testimony and Subjectivity, et le deuxième, Sculpting Subordination, Domestic Workers in Greece at the First Half of the 20th Century. Et donc, Posity va nous parler de ces témoignages de ces enfants survivants de la Shoah en Grèce. I would like to excuse myself for speaking in English, and I'm very glad. Je suis ravie for being here in this d'être ici. Important day of the commemoration of the departure. Donc, je suis ravie d'être ici pour commémorer les premiers départs de Salonique vers Auschwitz. Je voudrais remercier les organisateurs, Maria Cavalla, Madame Bevenista, et le mémorial de la Shoah, ainsi que le centre culturel hellénique. Je vais vous parler des témoignages d'enfants survivants de la Shoah. Je voudrais également remercier les orateurs précédents pour avoir installé le décor quant au génocide donc qui s'est produit en Grèce. J'aime bien l'idée que l'orateur précédent a parlé de la transmission de l'histoire du passé envers les jeunes générations. Alors, l'accent mis par cette étude sur la mémoire des enfants survivants s'appuie sur la mémoire de l'enfance. Ma question est de savoir s'il est possible d'écrire une histoire des enfants et des enfants survivants en utilisant la mémoire des adultes. Donc, je voudrais savoir si c'est possible. L'analyse comparative a montré que l'ossature des récits de guerre ou d'immédiat après-guerre, eh bien, cette analyse reste intacte malgré le passage du temps. Des épisodes essentiels de la vie des survivants persistent dans les récits, même si le mode de narration diffère. Christopher Browning parle de la persistance de certains thèmes et épisodes comme un noyau solide de mémoire partagée. Il est intéressant, à mon avis, d'analyser la mémoire de l'enfance au-delà de la perspective comparative des témoignages de guerre et d'après-guerre, qui s'intéresse aux différences dans la narration du passé
dans les témoignages des survivants à des époques différentes. Donc il faut chercher la vérité des témoignages. Une méthodologie donc est nécessaire pour prendre en compte pour démêler donc le pliage corporel du traumatisme implique d'approcher sa présence inconsciente dans les images et les affects. L'approche comparative des témoignages et l'examen des témoignages ultérieurs d'un individu permettent de mettre en évidence ces différentes interprétations de l'expérience passée. Les différences d'interprétation sont liées à des questions d'identité et plus précisément d'identité juive. La formation de l'identité étant un processus, les points de repère d'une transformation du moi dans la mémoire sont indiqués par un sentiment de rupture émotionnelle. Certains événements ont marqué la vie de ces enfants et sont apparus dans leurs témoignages comme une rupture dans l'univers de sécurité. La rafle des Juifs à Plateia Efferas a été marquée par la violence et l'humiliation qui leur a été infligée et a révélé le manque de pouvoir de leurs parents. La protection qu'ils considéraient comme acquise est ébranlée. La constance avec laquelle le sabbat noir, tel qu'il a été enregistré dans la mémoire collective, apparaît dans leur récit et illustre à quel point ces événements ont été cruciaux pour la formation de leur subjectivité. Le caractère unique de ces expériences dans la vie des enfants est transmis par des moments forts qui sont évoqués dans un monde de narration photographique. Alors, le 11 juillet, entre 7000 et 9000 personnes ont été soumis à des exercices humiliants. Shelly Kuno, une jeune fille de 13 ans née à Salonique, a assisté à la torture d'hommes juifs parmi lesquels se trouvait son propre père. Comme les heures passées sans que son père ne rentre à la maison, sa mère commence à s'inquiéter et prit Shelly avec elle pour se rendre rue Rogotou, près d'un bureau d'un ami de la famille, et toutes deux virent depuis le balcon la scène de torture. Les Allemands se tenaient des deux côtés et mettaient les hommes en rang. De chaque côté, ils les frappaient l'un après l'autre avec un bâton. Ils leur faisaient faire de la gymnastique. Bien qu'elle ait vu la scène, elle n'a pas pu discerner son père. Lorsqu'il est rentré à la maison, il a dit « Ils m'ont battu à mort ». Il est resté au lit pendant des jours sans bouger. Il n'était pas enregistré et ils ont décidé de ne pas y aller le lundi lorsque l'enregistrement s'est poursuivi. Je pleurais d'être présent dans cette situation. Les répercussions de la violence et des mauvais traitements étaient tels qu'ils ont conduit de nombreux Juifs et leurs familles à trouver tous les moyens possibles pour s'échapper de Salonique. Le beau-frère de Freddy, Abraham Vanel, a été sévèrement battu et a décidé de se cacher à Athènes. Le père de Rikula, Samuel, a pris la même décision. Rikuta Seti Samuel, né en 1937 à Salonique, se souvient du retour de son père, de la rafle de Patria et Ferreterias, comme le début de la catastrophe pour la communauté et comme le signe que leur vie était en danger. Lucia, c'est fini, nous sommes en danger, nous devons nous sauver, nous devons partir à tout prix. Lorsque j'ai entendu cela, que nous étions en danger, je me suis dit que c'était fini, qu'ils allaient nous tuer. J'ai été effrayée par le fait que mon père ait dit qu'ils avaient renversé Solomon Cohen, qu'il portait un costume blanc. C'était le père de Shelly Cugnot. Je me souviens que les Juifs étaient humiliés
et que mon père a compris le danger et nous a aidés. Jusqu'à ce moment, nous étions une famille heureuse. Après cela, ce fut la désolation absolue. Selon Stargardt, les enfants construisent leur propre chronologie de la guerre à partir d'événements clés. C'est à travers ces événements que la guerre devient réelle. Alors, quand est-ce que leur monde s'est effondré? Eh bien, au moment de l'imposition des mesures. Non. Le moment exact où leur monde sécurisé s'est effondré est devenu un moment décisif séparant la guerre d'un âge d'or antérieur. Au moment de l'imposition des mesures anti-juives le 25 février 1943, qui incluait le port de l'étoile pour les plus de 5 ans, Yvette Léon Béza était un élève de première année à l'école d'Eliot. À l'école, nous n'étions que deux élèves juifs dans la classe. L'autre élève juif était Mario Carasso, fils d'Isaac et de Mathilda Carasso. Je me souviens très bien de lui, le jour où nous avons mis l'étoile et sommes allés à l'école. Mario est venu à l'école, il n'est pas entré dans la classe. Je ne me souviens pas comment nous avons découvert qu'il n'était pas dans la classe. La maîtresse est sortie et lui a demandé « Mais Mario, pourquoi n'entres-tu pas ?» Il avait des yeux très grands, il était en larmes, il n'a pas répondu. C'était une très bonne enseignante, dans le sens où elle avait des idées que l'on trouve chez un enseignant aujourd'hui. Elle était très proche de nous. Elle nous prenait dans ses bras. Elle était très proche de nous et elle nous prenait dans ses bras. J'ai honte à cause de l'étoile. Elle lui a répondu, assieds-toi, je veux te parler. Tu ne dois pas avoir honte de porter l'étoile. Cette étoile montre que vous êtes juif et vous ne devez pas avoir honte d'être juif. Les juifs ont été les premiers à croire en un seul Dieu. Je veux que vous soyez fiers d'être juif, que vous portiez l'étoile. L'étoile ne m'inquiétait pas, mais la position de ce garçon m'inquiétait. Cela m'avait contrarié plutôt qu'inquiété. Et le discours du professeur, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'énerver. Je n'avais rien compris jusque-là. Je ne sentais pas ce qui se passait. Les événements essentiels des souvenirs de guerre sont ceux qui sont de nature choquante et traumatisante. La notion de chronotope, à savoir le temps et l'espace, de Michael Bakhtin, sont des catégories constitutives de la narration et d'une poétique de l'histoire et expriment l'inséparabilité de l'espace et du temps. La poétique historique de Bakhtin s'est développée en référence à la relation entre les chronotopes narratifs et les chronotopes du monde réel. La séparation entre les parents constitue un moment de rupture émotionnelle qui rend la guerre réelle pour les enfants. C'est un moment auquel le sujet reviendra, mais c'était aussi un moment associé à l'avenir et à l'anticipation. Il représente le plus jamais ça. Maru Tiano Cohen avait fui avec ses parents et ses grands-parents paternels de Salonique à Athènes. La famille a été dispersée dans des maisons séparées. Le récit de Cohen a brisé un silence d'un an, car elle n'avait jamais donné d'interview auparavant. Il y a un souvenir qui restera inoubliable. Lorsque nous sommes allés chez M. Zografos, il s'est arrangé pour nous envoyer dans des maisons séparées. Aucun d'entre nous ne savait où se trouvaient les autres. Mon père était le seul à savoir. Il m'a envoyé chez sa cousine qui vivait à Koukaki. Elle s'appelait Madame Filio et avait un enfant, Eleftheria. Je me souviens du moment où j'ai été séparée de ma mère dans la maison de M. Zografos. Je me souviens qu'il y avait un escalier en bois et je me souviens que ma mère était debout à l'étage et que je la tenais. Et à chaque marche que je descendais, il me traînait et je tenais la rampe. Je n'oublierai jamais la scène. Et je me souviens que lorsqu'on nous a demandé d'écrire une composition à l'école, j'ai écrit sur cette scène et le professeur m'a demandé de la lire devant toute la classe et tous les élèves ont pleuré. Savez-vous que la grande punition d'Hitler, c'est le fait que nous sommes en vie.
qu'il n'a pas réussi à nous exterminer. C'est sa plus grande punition. Malgré tout ce qu'il a fait, nous sommes vivants et nous avons créé l'État. Le chronotope du seuil est le chronotope de la crise et des événements qui changent la vie. Les chronotopes du seuil, comme l'escalier, le couloir, le corridor, sont des lieux d'action où se produisent des événements de crise et où sont prises des décisions qui déterminent la vie d'une personne. Les enveloppes spatio-temporelles se connectent à la réalité et laissent leur empreinte sur la forme narrative. De ce fait, la forme narrative révèle des vérités autrement insaisissables sur les activités, les processus, le développement du monde réel. Dans les années immédiates de l'après-guerre, les enfants de Salonique qui sont cachés étaient caractérisés par une subjectivité distincte fondée sur la dissimulation de leur identité juive. La dissimulation de leur entité a eu un impact sur la reconnaissance ultérieure en tant que survivants. Cette constatation ne doit pas constituer un obstacle à l'analyse des multiples formes sous lesquelles les subjectivités des enfants cachés se sont développées pendant et après l'Holocauste, ni conduire à une compréhension homogène de la signification du terme « survivant ». Tous les individus ne s'identifient pas en premier lieu comme des survivants, et comme Eleni Béji et Mme Benveniste ainsi que d'autres ont montré, la transformation de l'identité de otage à survivant au cours des années de l'après-guerre. En effet, la mémoire étant une attribution de sens à l'expérience traumatique de la persécution, ce sens découle pas seulement d'une connaissance externe de l'événement. Les survivants n'étaient pas au courant de toute l'organisation de la persécution nazie. Mais il existe également un contexte dans lequel les voix et les histoires des victimes peuvent être parlées et entendues. Flora Carazo Mirael, citoyenne espagnole et enfant survivante de Bergen-Belsen, a d'abord témoigné devant Amalario Henar en 1989 et ensuite aux archives historiques visuelles de la Fondation de la Shoah en 1995. J'ai également réalisé un entretien avec elle à Salonique. En 2014, Mikhaël était né en Salonique en 1935. Les thèmes centraux de son témoignage restent intacts dans ces trois interviews, même si dans ses témoignages ultérieurs à la VH, la Fondation de la Shoah, de l'USC, et à moi-même, en fait, ils ont été développés. Trois points de repère dans son témoignage à Mario forment le cœur de son entretien. L'un est un présage sur le sort des Juifs de Salonique. Flora Mirael raconte un incident avec le lieutenant allemand qui cohabitait avec la famille ainsi que leur maison était réquisitionnée par la Gestapo. Cet incident est également au cœur des entretiens suivants. Flora Mirael était alitée, malade du typhus, lorsque le lieutenant est revenu dans leur maison. Le souvenir de sa réaction face à sa maladie, Juden alles kaputt, est prémonitoire du sort collectif de la population juive. Mirael se souvient de la détresse de sa mère, de sa grand-mère à l'écoute de ses paroles et de ses pleurs lorsqu'elle raconte l'incident. Dans son témoignage vidéo à la Fondation pour la Shoah. Le fait de parler à Mario, elle-même survivante, a créé un cadre plus intime qui lui a permis d'insister sur certaines des questions
qu'elle considérait comme centrale dans sa vie. L'utilisation du judéo-espagnol dans sa rencontre avec Amarillo, lorsqu'elle a rencontré l'incident avec le lieutenant allemand, bien cela illustre le vocabulaire culturel partagé et une atmosphère d'intimité. La réaction de sa mère au dicton du lieutenant lors de sa première entrevue est remise en langage direct. Loco es esto, qué está diciendo. L'utilisation du judéo-espagnol était très répandue dans la Salonique d'avant-guerre, alors que dans la société d'après-guerre, elle est devenue une forme de communication qui était réservée aux relations intimes, parlée principalement au sein de la famille et des proches, et limitée à la communauté. Dans les entretiens suivants, la réponse de sa mère est donnée au discours indirect et le judéo-espagnol disparaît. L'utilisation du judéo-espagnol par sa mère est liée à l'insécurité de Flora Miel, qui craint d'être identifiée comme juive à Salonique après leur retour de Bergen-Belsen. Cette insécurité a été exprimée dans l'entretien qu'elle m'a accordé et dans lequel elle a déclaré que lorsque les choses se trouvaient dans les espaces publics, Flora demandait à sa mère de ne pas parler en judéo-espagnol. Le judéo-espagnol témoigne de la confiance de sa mère dans une tradition, mais aussi de la déracination de Flora par rapport à cette tradition. Un certain nombre de facteurs liés au projet de la VHUSC, la Shoah Foundation aussi, ont pu provoquer une certaine forme d'inhibition chez les témoins. En même temps, l'attention du public pour le projet de la Fondation VHUSC pour la Shoah a donné un sentiment d'importance aux expériences des enfants survivants. C'est certainement pertinent que pour les personnes interrogées, comme l'affirme Pinchevski, La caméra facilitates the listening. It is used as a technological, elle sert de substitut technologique à une audience potentielle, l'audience que de nombreux survivants ont attendue toute leur vie. En leur fournissant le type d'environnement d'attente qui est inaccessible dans la solitude d'un entretien hors caméra. Il impose une troisième dimension à la diète des témoins. Malgré l'importance du projet de la VHUSC Shoah Foundation pour la reconnaissance publique du statut de survivant, Flora Miel, déjà dès son premier entretien, a exprimé sa détermination et celle de son mari à informer leurs enfants de l'expérience de la Shoah. C'est le deuxième thème principal des entretiens de Michael. Flora Miel a lu des livres afin de donner un cadre historique plus large à sa déportation à Bergen-Belsen et de mieux comprendre ses propres expériences. Avant tout, je devais savoir qui j'étais. Elle et son mari, Mario, accueillent favorablement les questions de leurs enfants et considèrent que ces questions l'incitent à mieux comprendre la dimension européenne de l'Holocauste. Flora Miel est satisfaite du résultat de sa décision d'informer ses enfants. Je suis heureuse que mes enfants non seulement ne le cachent pas, mais considèrent comme un honneur le fait que leur mère soit allée dans un camp en Allemagne. La position de ces enfants à l'égard de la persécution de la mère illustre indirectement le fait que le processus d'information des enfants n'était pas une question privée limitée au cercle familial. En outre, le fait de manifester son désir de voir son statut de survivante reconnu publiquement est peut-être compris comme une forme de défi au silence habituel des enfants survivants de Bergen-Belsen sur l'expérience de leur camp. Pourtant, il semble que les archives visuelles historiques
pour la Shoah et influencé à certains égards la position des personnes interrogées. L'expression de ces sentiments profonds à l'égard de la génération d'Allemands qui a combattu pendant la guerre dans la forme publique de l'entretien, présent dans son entretien avec Amario, eh bien, a été éliminé dans ses entretiens suivants. Le troisième thème dans son entretien qui concerne les sentiments des survivants des camps à l'égard de la population allemande et de la langue allemande était une référence commune dans les premiers entretiens avec les survivants. Quand je vois un vieil Allemand, je me demande à qui il a donné des coups de pied et qui l'a terrorisé. Les mots « Haus »,« Juden », »,« Schwein », je ne pourrai jamais les oublier. Je ne peux pas oublier les chiens dans les camps, les kapos, le manque de nourriture, la faim. Grâce aux entretiens successifs d'un enfant survivant, et en particulier à l'un des entretiens précédents, le témoignage des archives visuelles historiques et de la Fondation de la Shoah, l'utilisation d'une perspective comparative permet une description détaillée des symbolismes et des significations des expériences de la Shoah vécues par les enfants. L'analyse proche du terrain met en lumière le rôle de la caméra et l'impact de la liste de Schindler sur la personne interrogée en ce qui concerne l'interprétation de la survie et l'orientation vers sa célébration. L'attrait massif de la liste de Schindler a conféré à la Fondation VHUSC pour la Shoah une aura de solennité qui aura prédisposé le témoin à une représentation plus formelle. L'évitement d'une position forte était concomitant à un modèle de personne interrogée à qui la survie conférait une aura de dignité et de triomphe. L'impact d'une telle mentalité est confirmé dans les témoignages des personnes grecques interrogées. Dans le même temps, rien n'est oublié. La mémoire viscérale de la barbarie, de la violence meurtrière et de la haine des Allemands reste toujours là, détaillée dans la voix, la posture corporelle et la brutalité générale des gardiens. Merci beaucoup. Merci, Prostiti. C'est très intéressant parce que aujourd'hui, déjà, on le sait, 96% de la communauté de Thessalonique a été exterminée. Donc, aller fouiller, récupérer ces informations qui sont rares désormais aujourd'hui, de ces femmes, comme on l'a vu tout à l'heure, de ses enfants. C'est un travail de recherche extrêmement pointilleux. Ce qui est intéressant également, ce sont les enfants qui ont vécu la Shoah en étant en Grèce, en étant cachés. C'est les enfants qui ont été déportés, qui ont réussi à survivre, que ce soit à Auschwitz ou à Bergen-Belsen. À Auschwitz, parce qu'ils, par exemple, ils ont menti sur leur âge. À Bergen-Belsen, parce qu'il y avait un camp des familles. Et donc, vous voyez la diversité, si vous voulez, de ces témoignages. Donc, on a parlé de ces femmes. On a parlé de ses enfants. Et puis, ce qui est intéressant, on n'en parle pas souvent, ce sont les témoignages des non-juifs. Alors, Rena Molcho va nous parler justement de ces témoignages. Alors, pour nous, jeunes historiens, Rena Molcho, c'est une référence, bien sûr, parce que ses recherches sont extrêmement, depuis très longtemps, pointilleuses et passionnantes. Elle a enseigné à l'université d'Opadio à Athènes l'histoire des Juifs de Grèce. Elle a étudié l'histoire et la civilisation européenne à l'Université hébraïque de Jérusalem, ainsi que à l'Université Aristotelion de Thessalonique. Sa thèse de doctorat, Les Juifs de Thessalonique, 1856-1919, une communauté hors normes, a été présentée à l'Université de Strasbourg. Et ce travail a été publié également en grec et en turc. Rena Molcho a aussi publié une soixantaine d'études dans des ouvrages scientifiques, dans des encyclopédies, dans des revues. Le travail est très diversifié. Ses recherches se penchent sur les différents aspects de l'histoire des civilisations judéo-grecques et judéo-turques, et plus précisément sur les Juifs de Thessalonique. D'ailleurs, son livre, Les Juifs de Thessalonique 1856-1919, une communauté hors normes, a reçu le prix de l'Académie d'Athènes en 2000. Son deuxième livre, en anglais, Salonika and Istanbul, Social, Political and Cultural Aspects of the Jewish Life, a été publié par Isis à Istanbul en 2005. En 2010, enfin, elle a été décorée comme chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Et enfin, pour l'ensemble de son œuvre, elle a eu le prix de la recherche du Centre Alberto Benveniste à Paris. Madame Molcho.
micro, je pense, hein, parce que le noise. Oui, c'est son micro. Voilà. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Alors, je vous remercie pour cette introduction et je commence avec ma communication avec deux témoignages de non-juifs sur la déportation de juifs grecs. En septembre 2014, le musée de l'Holocauste de Washington a enregistré une série de témoignages de grecs non-juifs concernant la Shoah. Dans ces témoignages, auxquels j'ai participé en tant qu'intervieweur, les questions qui se posent le plus directement concernent si et par quels moyens les Juifs auraient pu être sauvés et qui d'autre, en plus des Allemands nazis et leurs collaborateurs grecs, portent la responsabilité de leur destruction. Les témoins oculaires qui nous ont parlé avaient entre 81 et 95 ans, c'est-à-dire que pendant la guerre, ils avaient entre 10 et 24 ans. Les plus jeunes ne pouvaient être soupçonnés d'avoir participé au crime, alors que ceux qui étaient déjà adultes auraient été au moins des observateurs passifs. Nous supposons que ceux qui se sont offerts volontairement pour être interviewés avaient la conscience tranquille. Les questions qui les ont été posées étaient focalisées sur leurs amis et voisins juifs, sur les changements subis dans leur quotidien pendant l'occupation, sur la manière dont ils se sont rendus compte des dangers qui menaçait la vie des Juifs, et aussi sur les mesures prises par les nazis pour organiser la déportation, sur la manière dont les chrétiens et les Juifs réagirent à la déportation et sur le pillage qui suivit le départ des Juifs. J'ai choisi les deux histoires qui suivent parce qu'elles sont représentatives de la situation en Grèce pendant l'occupation, ainsi qu'aujourd'hui. Ces témoignages, d'une part, révèlent de nouveaux éléments et d'autre part, confirment les idées répandues sur la solidarité envers les Juifs de certains Grecs non-Juifs et sur la responsabilité attribuée aux Juifs eux-mêmes pour leur destruction. Première histoire. Eleni est née en 1927 à Thessalonique dans une famille de la petite bourgeoisie et habitait dans un quartier mixte chrétien-juif où elle demeure toujours. Lors de son entretien, elle s'est souvenue de plusieurs noms d'amis et voisins juifs qui ont été déportés et assassinés. Elle avait des camarades de classe et des amis juifs avec lesquels elle jouait. Eleni parle le judéo espagnol à la perfection, comme c'était aussi le cas de sa mère. Elle faisait des courses pendant Shabbat pour une voisine juive qui l'appelait la gentille Soulika. Elle lui donnait des petits halotes de la fête de Shabbat. Elle se souvient aussi de leur voisine, Madame Stella, revenue des camps de la mort avec un numéro tatoué sur son bras qui disait, je cite, « Et ils osent dire que cela n'est jamais arrivé. » Au début de la guerre, la famille Teleni, accompagnée de la famille juive de Pepo Nachmias, s'enfuit en Chalcidique, à 100 km au sud-est de Salonique, où ils sont restés pendant 6 mois. Eleni nous a dit que sa mère était tombée malade de chagrin quand elle a vu les Juifs arrêtés pour être déportés et elle a rajouté « C'était tragique. Nous ne voulons pas nous en souvenir. La situation était horrible. Nous avions vécu plusieurs années avec les Juifs. » Lorsque nous lui avons demandé «
qu'est-ce qu'elle connaissait sur l'antisémitisme à Salonique. Elle a dit que les Juifs et les chrétiens vivaient ensemble en paix à Salonique. Ils avaient de bons rapports, ils s'aimaient et les Juifs n'étaient pas discriminés. Toutefois, quand nous lui avons posé des questions sur le pillage des maisons juives, elle nous a dit qu'après le départ des Juifs, des Gitans et d'autres personnes sont entrées dans les maisons et ont tout emporté. Ils ont même arraché les revêtements du sol en linoleum. Sa mère, qui était au lit et pleurait, s'éleva et leur cria « Mais que faites-vous là-bas? Ceci appartient à la maison et non pas aux Juifs. » Ne me demandez pas qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ajouta Eleni concernant la sauvagerie du pillage. Juste après ceci, elle nous a raconté une histoire très intéressante, comment sa mère avait sauvé Matika Massano, la petite fille d'un pauvre marchand ambulant qui habitait au quartier 151. Ce quartier était sur le site d'un ancien hôpital militaire où la communauté juive avait créé des logements sociaux. Pendant les jours froids de l'hiver, lorsque le père de Matika travaillait dans le quartier de l'Est, la famille... Ah, oui. Merci beaucoup, Réna. J'ai pensé me cacher, puisque je ne suis plus jeune, mais si vous insistez. Alors, dans le quartier d'Eleni, la famille accueillait la petite fille dans leur maison où il faisait. Après la déportation de la famille de Matika, ils ont gardé la petite fille chez eux. Elles lui ont assuré une fausse identité grâce à des connaissances qui travaillaient à la police. Quand la situation s'est détériorée, ils ont trouvé une nouvelle cachette pour Matika dans un autre quartier, chez une autre famille chrétienne qui avait accepté de la cacher. La mère d'Eleni donna à la petite fille des vêtements traditionnels d'une paysanne, probablement, qu'elle pouvait porter à chaque fois qu'elle sortait pour ne pas provoquer des soupçons. De cette manière, la famille d'Eleni a sauvé Matika en prenant soin d'elle comme si elle était leur propre enfant. Il faut mentionner que la famille avait trois autres filles qui l'aimaient comme une sœur. Après la guerre, le frère de Matika est rentré à Salonique et a voulu partir avec elle en Palestine. Mais Matika ne voulait pas partir. Pour la convaincre, la mère d'Eleni lui a dit « Nous sommes dans une mauvaise situation financière et comme j'ai trois filles, je ne suis pas sûre de pouvoir m'occuper de toi comme il faut. Il vaut mieux que tu ailles avec ton frère à ta patrie. » En Palestine, Matika s'est installée et s'est mariée, mais resta en contact avec la famille d'Eleni. Elle les a invités à plusieurs reprises à venir la voir. Elle leur a même proposé de mettre à leur disposition une voiture avec chauffeur pour qu'elle puisse visiter le pays. Mais la famille d'Eleni n'est pas allée la voir en Israël. 35 ans plus tard, Matika est venue leur rendre visite à Thessalonique, apportant avec elle des vêtements de deuil pour visiter la tombe de la mère d'Eleni. Le prêtre qui les a accompagnés, en voyant Matika pleurer sur la tombe, comme si c'était sa propre mère, lui demanda si elle était absente lors du décès de sa mère. Alors Matika lui répondit « Ma mère m'a donné la vie, mais cette dame m'a sauvé la vie. » J'ai choisi cette histoire émouvante pour trois raisons.
qui nous montre la vision que la population grecque avait des Juifs dans les meilleurs cas. Premièrement, parce que cas de sauvetage des Juifs saloniciens par leurs compatriotes chrétiens sont très rares. Deuxièmement, parce que le commentaire naïf de la mère d'Hélène concernant les gens qui arrêtent les revêtements du sol des maisons louées par des Juifs à des propriétaires chrétiens montre bien que le pillage des biens juifs était considéré comme normal ou évident. Et troisièmement, parce que même la dame qui avait sauvé Matika croyait que la patrie des Juifs grecs était la Palestine et non pas la Grèce. Deuxième histoire. Maria était née à Thessalonique en 1929, dans une famille communiste de réfugiés d'Asie mineure qui habitait à côté de la synagogue de Monastériot, la seule synagogue d'ailleurs qui a survécu la guerre en tant que contrepoint de la Croix-Rouge. Grâce à son éducation, Maria a appris la tolérance depuis son enfance et n'a jamais adopté de préjugés antisémites comme l'accusation du meurtre rituel et d'autres accusations qui étaient répandues à l'époque. De cette manière, elle ne discriminait pas les enfants juifs, elle jouait avec eux et suivant les fêtes juives et les mariages qui se déroulaient dans la synagogue du voisinage, elle jouait avec. Sa famille avait de bons rapports avec ses voisins juifs et souvent prenait le café avec eux. Le grand-père de Maria, qui était le chef de la famille, lui avait appris que les Juifs étaient un peuple qui avait été chassé de tous les pays du monde. Il n'avait jamais cru que ceci était la faute des Juifs. Il comprenait que les peuples, dans leur ensemble, ne sont ni méchants ni gentils et que les Juifs étaient détestés parce qu'ils étaient compétents et réussissaient. Le père de Maria entra à la résistance depuis le début de la guerre et ainsi la famille était bien informée sur ce qui allait suivre. Maria nous a confié que sa foi en Dieu a été ébranlée lorsqu'un camion transportant des résistants passa devant leur maison et quelqu'un a appelé son grand-père pour lui dire qu'ils allaient être exécutés parce qu'ils étaient résistants. Pendant l'occupation, sa famille a déménagé dans un autre appartement près d'un abri anti-aérien parce que sa mère avait un problème au pied et ne pouvait pas courir. C'est là qu'elle s'est fait une nouvelle amie juive Dorica et sa mère s'est liée d'amitié avec Rachel, la mère de Dorica. Quand les Juifs ont reçu l'ordre de porter l'étoile jaune, Maria, influencée par ce qu'elle entendait chez elle, a immédiatement compris que ceci était une mesure discriminatoire et que sûrement la persécution physique des Juifs allait suivre. Maria croyait que les Juifs étaient dociles même quand ils subissaient un traitement humiliant. Elle attribuait ceci au fait qu'ils étaient habitués à être persécutés. Son père leur avait raconté qu'il avait vu le rassemblement forcé des Juifs et les tortures qu'ils avaient subies à la place de liberté de Salonique. Ce qui, selon Maria, était une grande honte. Avec ceci, elle rejoint ce que la majorité des Grecs ont ressenti. Et selon ces mots, cela signifiait que la persécution sauvage commençait et on ne connaissait pas alors encore comment ceci allait se terminer. Je le savais en écoutant les conversations de mes parents qui néanmoins s'efforçaient de ne pas me plonger dans cette misère et ce sombre avenir qui se profilait parce que le mouvement de résistance grecque était déjà lancé.
Et ce n'est pas seulement que les Juifs ne savaient pas, mais selon l'impression que j'avais, ils étaient plutôt soumis, peut-être à cause du fait qu'ils étaient un peuple persécuté ou parce qu'ils étaient traités d'une façon grossière et humiliante. Finalement, les Juifs ont été enfermés dans les ghettos et de là, ils ont été transportés par groupe de 1 à 2000 personnes au camp Baron Hirsch, près de la gare ferroviaire, pour être déportés à une destination lointaine. Ensuite, Maria s'est souvenue que sa mère l'avait pris avec elle pour suivre la marche des Juifs qui était conduite à partir de la place centrale du Vardar au camp Baron Hirsch. Plus précisément, elle a dit « Toute la foule de Grecs est restée muette au milieu de la place centrale. Il n'y a eu aucune désapprobation. Des gens effrayés se retiraient quand les Allemands venaient pour frapper aussi les Grecs, mais on n'entendait rien d'autre. En quelque sorte, nous étions comme des morts. Ceux qui regardaient passivement étaient effarouchés et essayaient de fuir les Allemands qui s'approchaient pour les frapper de la même manière qu'ils frappaient les Juifs. Un jour, son père rentra à la maison et dit à sa mère que les Juifs seraient renvoyés pour être exécutés, mais ils ne pouvaient pas en avertir les voisins juifs. Elle se souvient que sa mère a dit à Rachel, la mère de Dorica, « Laissez Dorica avec nous. Où que vous alliez, ce sera une tourmente. Laissez-la ici et quand vous serez de retour, vous la trouverez saine et sauve. » Madame Rachel lui répondit, elle viendra avec nous partout où nous irons. Maria ajouta, à l'époque on disait, c'est-à-dire, je l'ai entendu de mes parents, que le chef collaborait avec les Allemands. Il savait ce qui allait se passer et ils ne les ont pas avertis. Cette rumeur s'est maintenue jusqu'à la libération et ceci, je l'ai interprété comme quelque chose de très négatif. À la fin de l'interview, Maria le répéta en ces mots. Ce qui a suivi, je vais le répéter parce qu'il faut que tout soit noté. Un grand commentaire concernant vos chefs, les religieux, surtout qui ont été impliqués ou qui vous ont inspiré, c'est ce qui a été dit. Moi, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Moi, avec l'idéologie que j'avais et mon idéalisme de jeunesse, cela m'a fait penser plus tard aux images que j'avais lorsque nous nous étions réfugiés, chassés par les Turcs. Nos prêtres marchaient devant, portant les icônes, et j'aurais voulu voir vos chefs religieux se mettre à la tête de cette marche, mais ils ne l'ont pas fait. Après la guerre, Maria demanda à son ami juif Alberto, qui était revenu des camps de la mort. Alberto, il y a certaines choses que je ne peux pas expliquer. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous n'êtes pas échappé à la montagne puisque les résistants vous proposaient d'aller vous sauver? Et lui me répondit, moi j'avais deux parents, qui étaient âgés bien sûr, et trois sœurs. Toi, pourrais-tu partir et les abandonner? Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas les abandonner. Et à ce moment, j'ai compris. Pourtant, tant de gens ont péri sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils seraient séparés dès leur arrivée pour que les uns soient brûlés et les autres forcés à travailler. Ils ne pouvaient pas se l'imaginer. Pourtant, un peu plus tôt, Maria nous avait dit qu'elle croyait que les Juifs savaient
ce qu'étaient les nazis et ce qu'on pouvait s'attendre d'eux. Ce qui est intéressant de le témoignage de Maria est son ambivalence quand elle évalue le comportement des chrétiens et celui des juifs. Elle ne fait aucun commentaire lorsque les chrétiens n'osent pas prononcer un mot de protestation ou ne réagissent pas en regardant leurs concitoyens juifs se faire torturer sur la place de la Liberté ou lorsque sont conduits au camp de Baron Hirsch. Mais elle ne montre pas la même compréhension pour les juifs qu'elle estime passifs et subordonnés, ainsi qu'incapables à faire face à leur sort. C'est ça qu'elle ressent, alors malgré le fait qu'elle nous assure que l'explication de son ami Alberto l'a fait comprendre la situation des juifs. Elle ne commente pas l'attitude de son père, qui n'a pas informé ses voisins juifs sur ce que Maria nous a dit qu'il savait, c'est-à-dire qu'ils étaient destinés à l'extermination. Probablement, Maria confond cette information avec ce qui a été révélé après la guerre. Le plus probable est que son père ne savait rien sur la solution finale. D'ailleurs, la majorité des gens des pays balkaniques, y compris les juifs de ces pays, ainsi que les chefs religieux de la communauté juive de Thessalonique, ne savaient rien sur le sujet. Enfin, elle loue les prêtres orthodoxes qui ont pris la tête lors de l'exode des Grecs d'Anatolie, suggérant une spécificité nationale grecque telle qu'on l'apprend à l'école dans les cours d'histoire où les chefs religieux sont héroïques, c'est-à-dire la version publique de l'histoire. Je pourrais vous citer encore quelques dizaines de témoignages, mais je crois que ces deux-là que je viens de présenter illustrent bien le climat de l'époque où même ceux qui n'étaient pas antisémites avaient essayé d'aider des juifs ou des raisons affectives ou humanitaires étaient imprégnés de stéréotypes populaires concernant les juifs. C'est-à-dire que la religion était le critère principal pour l'appartenance du peuple grec au peuple grec, que la patrie des juifs était ailleurs, qu'il s'agissait d'un peuple soumis et peureux, des qualités qui caractérisaient même le chef, qui n'avait pas de courage pour les guider, et leur déportation était simplement une répétition de ce que la Grèce avait vécu 20 ans auparavant, quand, suite au traité de Lausanne en 1923, tous les chrétiens d'Asie mineure avaient été expulsés vers la Grèce et tous les musulmans de Grèce vers la Turquie sur des critères purement religieux. Pour toutes ces raisons, la grande majorité des Grecs qui n'ont pas eu le rôle affectif dans la collaboration avec les Allemands, dans la persécution des Juifs et dans le pillage de leurs biens, avaient adopté une attitude d'observateur silencieux du sort de leur ami et voisin juif. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Rena Molcho. Donc, je rappelle, c'est son travail de recherche sur le sujet est exceptionnel. Et je parle sous votre contrôle, Rena. La société grecque, on le voit avec ces témoignages-là, est complexe. Alors, il y a ceux qui vont avoir des idées reçues, ceux qui vont collaborer directement. Dans les recherches de Rena, d'ailleurs, il est dit que 2300 boutiques et magasins juifs à Thessalonique ont été récupérés quand les juifs ont été déportés. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a ceux qui, malgré les idées reçues, vont aider les juifs. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que, selon les chiffres de Yad Vashem, il y a plus de 350 justes parmi les nations qui sont grecques. Et pour ce petit pays, c'est un chiffre qui est assez intéressant.
Donc on a cette complexité d'une société qui a des idées reçues, qui d'un côté collabore, de l'autre côté aide, mais il me semble que c'est un peu comme dans tous les pays, comme en France. Il y a la minorité qui aide, la minorité qui collabore, et puis il y a la grande majorité qui est juste spectatrice. Merci beaucoup. Et puis nous allons passer aux questions du public, pour ceux qui le souhaitent. Oui. Voilà, il y a un micro qui arrive. Vous m'entendez ? Ah voilà. Oui. Bon, alors c'est peut-être un peu anecdotique, mais il y a une vingtaine d'années, à Rhodes, dans ce qu'ils appellent le quartier turc, je suis tombée sur une plaque en français à la mémoire de personnes déportées qui était écrite en français, et c'était plutôt des noms pieds noirs, vous voyez, genre Tubiana, machin et tout. Alors je suis rentrée. Non, enfin machin, voilà, bon. Alors, à l'époque, c'était les Italiens. Rhodes était occupé par les Italiens. Je suis rentrée. Alors, j'ai posé une question à une dame en anglais, mais comme j'ai un accent épouvantable, elle m'a répondu en français. Puis, elle m'a montré son numéro. Bon, moi, je ne suis pas juive, et c'est vrai que ça fait quand même un drôle d'effet. Donc, je n'ai pas osé lui poser des questions, mais je me suis interrogée pourquoi c'était en français, en fait. Oui, mais enfin, je veux dire qu'à l'époque, on était. Parce que je sais qu'à Thessalonique, il y avait quand même une communauté. On essayait de prendre le micro comme ça, on s'écoute, s'il vous plaît. Ouais. À Thessalonique, il y avait quand même une petite communauté francophone. Mais là, ça m'a un peu étonnée, quoi. Alors, de manière très rapide, et pour ceux qui souhaitent répondre également, Rhodes était une communauté francophone. Et d'ailleurs, le travail de l'Alliance israélite universelle était très important. Et donc, on parlait français. Donc, il se peut qu'il y ait des inscriptions en français. Tout à fait. On parle pas d'une petite communauté francophone. Tout le monde était francophone, y compris les Grecs. Et l'un des grands acteurs du nationalisme grec, de la construction, justement, de ce nationalisme moderne, s'exprime dans une revue en français. Tout à fait. C'était ça. C'était ça l'époque d'avant-guerre. Et donc la circulation des informations était intense. Et effectivement, elle nous pose problème. Comment se fait-il que cette circulation intense des informations s'arrête au moment de la guerre et que tout le monde plonge dans la tétanisation devant la présence allemande ? Et ça reste à la fois sur le plan individuel et familial, profondément mystérieux. Mais en même temps, si nous observons la situation actuelle, nous voyons bien que l'impossibilité d'intégrer la dimension d'une transformation politique et sociale aussi importante que la guerre et l'occupation fait que nous restons tétanisés. Alors, je voudrais apporter un témoignage par rapport à ce que madame vient de dire. Alors moi, je m'appelle Namias, donc c'est le nom que vous voyez souvent sur l'écran. Mon père s'appelait Nathan Namias, il est né à Salonique en 1919. Donc, il a vécu... Il est né en 1919, donc juste après la Première Guerre. Et il a fait la guerre en Albanie contre les Italiens. Comme il était juif, on l'a mis en première ligne, bien sûr. Alors, pour répondre à madame, dans ma famille, on parlait français. On parlait français couramment. J'ai retrouvé des lettres de ma grand-mère qui était dans un parfait français, impeccable. À la maison, il parlait ladino. Il parlait aussi italien parce que mon père allait à l'école italienne et grec avec ses copains. Alors, tout ça, c'était un mélange culturel qui était important. Et je crois que pour la plupart des Juifs de Salonique, c'était ainsi. Mais je voudrais revenir un petit peu moi-même sur ce que vous avez dit qui m'intéressait beaucoup. Notamment sur la ville de Salonique. Alors Salonique, vous l'avez bien évoqué, c'est une ville qu'on appelait la Jérusalem des Balkans. Il y avait énormément de juifs à l'époque, et je crois même qu'au début du XXe siècle, il y avait pas loin de 100 000 juifs à Salonique. Ça a décliné par la suite jusqu'à peu près 66 000 avant la guerre.
simplement parce qu'ils sont partis en Palestine, vu que déjà, c'est difficile à avoir. Mmh. Mais je voudrais revenir un petit peu sur la passivité des Grecs orthodoxes, on va dire, à Salonique, sur lequel on a dit ce matin qu'on compte sur les doigts de la main les justes saloniciens. Ben, il faut dire que c'est historique pour moi. Enfin, il y a trois raisons. La première raison, elle est historique parce qu'on sait que l'Empire ottoman a occupé la Grèce pendant très longtemps et que les Juifs étaient mieux tolérés par les Turcs que les chrétiens. Alors déjà, il y avait peut-être un ressenti de la part des chrétiens vis-à-vis des Juifs qui était négatif parce qu'on pouvait... Essayez, s'il vous plaît, par contre, d'écourter parce qu'on est très voilà. En retard. Bon. Je suis désolé. Hein. Alors, je vais donc juste dire que ça peut être une des raisons de l'antisémitisme voilà, à Salonique. Mmh. Il y avait aussi un antisémitisme qui était lié d'un point de vue économique, puisque c'est vrai que les Juifs possédaient la ville, en quelque sorte, et bien sûr, ethnique, puisqu'ils étaient Juifs. Quoi. Voilà. Mmh. Bon, je coupe là. Voilà. Bon, merci. En tout cas, pour remettre les choses dans le contexte, l'histoire est complexe, on a vu. L'antisémitisme existe, mais en même temps, bon, ce n'est pas une société qui a tous les jours la haine contre les Juifs et qui veut les persécuter. Et un autre élément, juste un petit chiffre qui est intéressant aussi pour le public. Avant la Shoah, il y a près de 13 000 Juifs en Grèce qui sont allés à l'armée et qui sont allés sur le front albanais contre les armées mussoliniennes. Et certains sont revenus et sont partis après à Auschwitz. À Molo, parce que je l'admire beaucoup. Et j'ai lu votre, madame, j'ai lu votre livre donc sur Salonique, mais qui s'arrête malheureusement en 1912. Et en 1913, il se trouve que la Grèce conquérante, qui venait de conquérir Salonique à l'époque, et pas Thessalonique, a fait un inventaire, un recensement de l'ensemble des personnes habitant Salonique. Ce recensement, apparemment, n'est jamais diffusé. Quelques historiens y font référence, mais on ne peut pas avoir ce recensement. C'est évident que pour les descendants de... Juifs saloniciens dont je suis, ça serait un élément extrêmement intéressant. Et donc, je me permets de vous faire, madame, cette demande, si c'est possible. Madame Monjo, est-ce que vous avez entendu ? Je n'ai pas compris la question. Ce que oui. J'ai entendu, c'est que monsieur connaît par cœur. C'est sur la question du recensement. Compris. C'est sur la question du recensement de 1912. Qui n'était pas publié. Tout à fait. Oui. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, il n'était pas publié. C'était un essai de recensement. Il y avait une contradiction avec le recensement qui avait un nombre de 61 000 juifs. Et ce que publiaient les journaux juifs, par exemple l'Indépendant, qui parlait sur 90 000 juifs. Et là, ils ont essayé de calmer les choses parce que c'était assez réactionnaire. Ils ont fermé l'Indépendant, le journal. Ils n'ont pas publié le recensement. Je crois qu'il est très possible que plusieurs juifs illettrés, qui n'avaient pas la chance d'aller être scolarisés aux institutions de l'Alliance, n'ont pas été présentés au recensement. Et ça, c'est une autre possibilité. Et aussi, c'était un changement d'époque. Il y avait un grand mouvement d'échange de population, des Crétois qui venaient à la Grèce du Nord, et la population changeait tous les jours. Et tout d'un coup, la communauté grecque qui était la plus petite se trouvait avec une quarantaine, 40 000 personnes orthodoxes, parmi lesquelles nous qui connaissons à profondeur l'histoire de la ville, nous savons qu'ils n'étaient même pas grecs, ils ne parlaient même pas le grec. Mais en tout cas, leur identité était grecque et c'est ce qui compte. Donc on l'a vu aussi, hein, donc la complexité des chiffres, que ce soit à la Shoah, mais la complexité des chiffres avant la Shoah. Vous avez vu que la recherche n'est pas finie parce qu'on a encore beaucoup de points d'interrogation. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas figer l'histoire, de ne pas donner une idée précise, de ne pas avoir une opinion tranchée, parce que la question est complexe, la question des chiffres
est très complexe. Peut-être une dernière question, comme ça on est pile à l'heure. Réna ? Une question pour moi ? Vous vouliez compléter quelque chose, peut-être ? Oui. Qu'on n'a jamais des chiffres des victimes de la Shoah. Ni des victimes, ni des survivants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout à fait. Ce n'est pas pour la Grèce uniquement. Tous les pays d'Europe. Une dernière question. Merci pour tout, merci pour les témoignages et la conférence. Et j'ai une question pour Madame Khanzarula. Donc, je suis désolée, mais est-ce que je peux demander en anglais ou ça va? D'accord. OK. I have a question from a scientific standpoint. D'un point de vue scientifique, sur l'histoire orale et les entretiens que vous avez eus. Certaines personnes ont été interrogées dans les années 80. Ensuite, vous les avez à nouveau interrogées en 2015-2016, ce qui est très intéressant. Je me demandais... Je pense que l'histoire orale est très difficile à étudier. Ça affecte l'histoire orale, parce qu'elle est vue par le présent. Donc, y a-t-il des différences entre ces entretiens qui sont déroulés à 25 années d'écart et avec les mêmes personnes, à vrai dire? Merci beaucoup. C'était vraiment le point important dans ma présentation. L'une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé plus d'interviews, d'entretiens, et je ne suis pas contentée de celles qui avaient été effectuées dans les années 80-90, eh bien, c'était parce que ces entretiens avait un sujet privilégié, la survie après les camps de concentration, et se concentrer sur l'expérience du camp, des camps, et pas sur les vies de ceux qui avaient survécu avant et après la guerre. Et donc, je voulais voir ces personnes par le biais de la perspective de leur histoire de vie. Mon intérêt était de les analyser, de les interviewer en relation avec la situation politico-sociale en Grèce, la question de la mémoire, du silence. Savoir s'ils avaient parlé à leur propre famille ou s'ils n'avaient pas l'autorisation. Par exemple, les femmes qui n'avaient pas l'autorisation de leur mari, par exemple, qui sont revenues des camps, avec les femmes qui sont revenues avec leurs journaux écrits et à qui il a été dit qu'on pouvait s'en débarrasser, qu'elles devaient avoir une deuxième vie. Quand, à quel moment ces personnes ont-elles commencé à parler en public? Et quelle importance avaient les histoires historiques visuelles? Donc voilà, ce sont les personnes qui ont participé au projet. Et je voulais donc travailler sur la mémoire. Bien sûr, voir où il y avait des manques à combler, mais voir aussi comment ces mémoires étaient transformées selon la situation en Grèce, selon la mémoire globale qui avait été créée par les archives les plus importantes. Et je trouve que ces événements coraux, en quelque sorte, façonnent la compréhension de la guerre et de ce qui est arrivé à ces personnes, mais aussi la transformation de ces expériences du fait des situations politiques ou
public. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, on vous retrouve pour la prochaine séance. Pauline ? On va faire une très courte pause de 5 minutes. Je vais laisser tout de suite Alain de Toledo, président de l'association Nuestros Desaparecidos, dire un petit mot. Merci. Merci. Alors, juste pour dire que parler de Salonique, c'est difficile sans évoquer la figure de Joseph Nehrama, déporté à Bergen-Belsen, et de retour, qui fait un travail énorme d'historien. Il a été directeur de l'Alliance israélite universelle à Salonique, et il a fait le grand dictionnaire du judéo-espagnol. Il se trouve que notre association a mis le Nehama à l'envers, al reverso, c'est-à-dire que le dictionnaire était dans le sens judéo-espagnol français, et donc on l'a mis dans le sens français-judéo-espagnol. Ceux qui sont intéressés le trouveront à la librairie. Nous avons aussi travaillé évidemment sur la déportation des judéo-espagnols qui étaient en France, et parmi eux, évidemment, les juifs, on disait les juifs hélènes à l'époque. Et ce qui est un petit peu étonnant, c'est que les juifs grecs en France ont été déportés avant, puisqu'ils ont été déportés les 9 et 11 novembre 1942. Donc voilà un tout petit rappel. Oui, oui, tout ça est écrit dans le livre « Le mémorial » des judéo-espagnols déportés de France. Merci beaucoup, Alain. Merci. Donc, on fait une pause de 5 minutes. À tout de suite.